Dans la télé-réalité consacrée à leur famille, diffusée sur Paramount+, les filles de Sylvester Stallone se sont confiées sur l'impact de la célébrité de leur père sur leur relation amoureuse. Sophia a notamment confié qu'il se prenait pour Rambo devant leurs petits amis. Après la famille Kardashian, les Stallone. Sylvester Stallone et ses trois filles Sophia, Sistine et Scarlett, nées de son union avec Jennifer Flavin, sont les stars d'une nouvelle télé-réalité diffusée sur Paramount+. Stallone est enfin prêt à montrer aux caméras ce qu'il considère comme étant le plus grand rôle de sa vie, père. Cette nouvelle série où apparaîtront les trois filles de Stallone, sa femme et lui-même invite le public à s'installer à la table d'une des familles de Hollywood les plus connues, a promis la plateforme de streaming dans un communiqué en février dernier. Et dans une interview accordée à Hollywood Reporter, Sylvester Stallone a expliqué que cette émission était un moyen de passer du temps avec sa famille, parce qu'il ne lui reste plus longtemps, il a 76 ans. Dans le premier épisode, les filles de Sylvester Stallone se sont confiées sur les conséquences de la célébrité de leur père sur leur vie. Et notamment sur leur relation amoureuse. Quand Sylvester Stallone se prend pour Rambo la première fois qu'un garçon est venu rencontrer mes parents, il a voulu me donner un baiser. J'étais tellement nerveuse et excitée. Il a levé les yeux vers le balcon et il a dit, « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» C'était mon père, debout sur le balcon, à contre-jour, de sorte qu'on ne voyait que sa silhouette. Il est tellement dramatique. Ce gars a sauté dans sa voiture et je ne l'ai jamais revu, a raconté Sistine Stallone. Quant à sa sœur, Sophia, elle a assuré que Sylvester Stallone se prenait pour Rambo quand elle lui présentait des garçons. Pas toujours facile à vivre. Cela a été un peu difficile pour mes sœurs et moi de trouver l'amour, a confié Sistine. Non seulement nous avons le nom Stallone mais mon père est également un homme surproducteur et assez intimidant. Mais l'acteur semble peu enclin à laisser une place à un autre homme dans la vie de ses filles, maintenant que nous sommes plus âgés et que nous sommes actuellement en couple, on pourrait penser qu'il voudrait vraiment faire l'effort d'en savoir plus sur nos petits amis. Et cela ne s'est pas encore produit. La suite est à découvrir sur Paramount+.